j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, du coup, c'est la première fois que je vais, en tout cas, à l'Immobrix. Donc, c'est une exposition de Lego, normalement. Enfin, d'après ce que j'ai compris, avec de la vente, des expositions, tombola, tout ça. Du coup, on va aller voir ça tout de suite. On verra après si j'arrive à filmer dedans et à parler en même temps. Ou sinon, bah, je filmerai, je reparlerai derrière au montage. Mais on va aller voir ce que c'est. J'ai pris ma carte au cas où il y a des choses intéressantes en vente. Allez, let's go! Bon bah du coup les amis, petit bilan de l'Immobrix, franchement c'était super sympa. J'ai parlé avec un fan, enfin aussi passionné que moi de Lego et tout, celui qui avait le stand là avec le gros AT-AT et la belle base de Hoth qu'il avait faite en 2 heures et tout, enfin franchement c'était super cool. Et du coup, en fait, on pouvait pas acheter par exemple de boisson avec la carte et moi j'avais pas pris de monnaie. Et du coup après j'ai dit bah moi je vais me chercher un coca, puis il me dit ouais. Moi j'aimerais bien un café, et du coup il me donne l'argent pour aller chercher un café, mais moi comme un con, j'avais déjà commandé. Et ben du coup, en fait, vu qu'il prenait pas la carte, je pouvais pas payer, donc j'étais obligé de payer en gros avec son argent. Mais du coup, bon, il a dû m'offrir, on va dire, le coca, et je lui ai dit que ben, la prochaine fois, parce que normalement maintenant ils vont faire tous les ans un Immobrix, et du coup, ben la prochaine fois c'est moi qui lui offrirai le café. Franchement, c'était super cool, on a parlé pendant 2 heures, même celui qui organise. L'exposition a été vraiment super sympa. Il m'a même demandé de venir exposer et tout ça. Donc, on verra bien l'année prochaine. Pourquoi pas? Parce que je lui ai montré un peu tout ce que je faisais et tout. Et c'était vraiment cool parce que justement, c'est ce que je lui ai dit. C'est que j'avais peur parce que j'avais déjà été à 2-3 expos pas très loin d'ici où c'était vraiment pas ouf et tout. Et du coup, je me dis, bon, vu que je suis pas loin, on va tenter quand même. Au final, j'ai été vraiment agréablement surpris. Tout était bien foutu à disposition pour chaque exposant et tout ça. Enfin, franchement, c'était très sympa. Bon bah malheureusement il y a rien qui m'a fait craquer en set Lego, et de toute façon heureusement parce que je pense que j'aurais pas pu payer par carte, donc j'aurais quand même pas pu rentrer avec ce que les gens auraient pu vendre là-bas d'intéressant. Et du coup bah pour l'instant en fait entre temps j'ai pas eu beaucoup de temps déjà pour ouvrir le calendrier avec vous, donc bon je m'en excuse mais on va rattraper ça soit aujourd'hui soit demain en fonction du temps. Et après, bah, pour le Razor Crest, j'ai eu le temps de faire qu'un sachet, donc le sachet 6. Donc pour l'instant, on en est à ça. Voilà, donc pour ça, c'est plutôt intéressant. Et après, bah, faut que je continue, donc je vais essayer d'enchaîner un peu. Mais là, j'avoue que je suis assez débordé. Du coup, ça traîne, mais voilà. Après, il commence, on va dire, à avoir une bonne base du vaisseau. On reconnaît bah, l'avant et tout, donc...
Voilà pour ça. Et là, ce qu'on va faire, c'est que on va aller à Jouer Club encore une fois. Mais cette fois, c'est pour ça que dans le titre du blog, vous verrez petit craquage normalement. Parce que ce sera un petit craquage. Ce sera pas le monstre justement avec le Razor Crest et tout ça, le bus de Black Panther et toute la lignée de cette Wakanda Forever, plus d'autres trucs que j'ai pas construit qui sont juste là. Enfin, c'est un sacré bordel. Donc voilà, allez, let's go à Jouer Club. Donc voilà, donc je suis resté assez raisonnable, j'ai voulu prendre 2-3 autres sets en même temps, mais je me suis dit non, j'avais pas forcément d'intérêt ni d'avantage dessus. Voilà, des fois il y a certains sets, je veux bien y mettre le prix et certains non, et là c'était le cas, donc il y a juste ce set là, et comme ça on va entamer, mais enfin, de toute façon au final je vais commander les autres qui vont avec, et j'aurai de toute façon même pas le temps de les construire avant un moment, puisque j'ai toujours pas fini le Razor Crest, ni commencé le Star Destroyer et tout, donc voilà ce que j'ai acheté. Donc on va mettre comme ça parce que là on dirait qu'on voit rien avec le reflet. Un petit set avatar du coup, donc je sais même plus il y a quoi d'autre dans cette vague. C'est peut-être le plus petit de la vague, ouais, parce qu'après c'est le vol des Banshees à 50. Ouais, donc voilà, donc c'est ce set là avec Netri et Thanator vs AMP Sweet Quaritch. Putain, c'est assez compliqué. Et du coup on a Netri et puis le colonel Miles Quaritch dedans. Et une petite partie du décor de Pandora, et puis l'espèce de panthère. Je pense que ça va sûrement s'appeler le Thanator, du coup. Voilà, donc bon, on l'ouvrira dès que je pourrai, mais au moins, le gamme Avatar, c'est parti, on attaque. Parce qu'après, en plus, il y a le film qui sort mercredi. Et en plus, ensuite, on aura la deuxième vague. Plutôt pas mal, mais peut-être que moi, je la prendrai uniquement fin janvier pour avoir un peu le temps d'avancer la construction de tous les sets. Puis après. Bon, on a une petite photo, je le trouve pas non plus incroyable le nouveau modulaire, là, le Jazz Club, mais de toute façon pour la collection de modulaire faut l'acheter, du coup je le prendrai et je sais pas encore, peut-être je vais le mettre ici, à côté du Sanctum, et malheureusement, enfin pas pour la tour, mais la tour va venir ici, et comme il y avait deux Sanctums dans la ville, sinon je vais être obligé d'enlever ce Sanctum là, comme ça fera la tour Avengers là, le Daily Bugle, le Sanctum, et là-bas le Jazz Club, et même le magasin de jouets et tout va devoir y partir. Donc voilà, donc bon, là pour l'instant on va continuer le Razor Crest et peut-être j'en referai parce que sinon ça refera trop longtemps de vlog. Je sais même pas à combien de temps de vlog on est là. Un vlog plus tard avec une fois peut-être le Razor Crest fini, le début du Star, du la construction du Star Destroyer et pourquoi pas la reconstruction de la ville puisque là ça fait déjà, je sais même pas combien de temps ça fait, ça doit faire déjà peut-être 2 ou 3 semaines que ma ville du coup est démontée. Ça me fait assez bizarre, mais j'ai vraiment besoin de tout l'espace qu'il y a là pour construire et tout donc. Voilà, c'est comme ça. Donc après, moi, je suis vraiment content hein, d'avoir commencé la gamme Avatar. On va bien aller chercher les autres sets de toute façon aussi. Donc voilà. Donc j'espère que ce petit vlog, enfin peut-être vlog classique même, vous aura plu. Que l'exposition à l'Immobrix aussi vous aura plu. J'ai essayé de filmer au mieux, mais il y avait quand même beaucoup de monde. Donc j'ai pas envie non plus que de filmer tout le monde sur la vidéo pour, enfin sans leur accord. Je vais pas leur demander à tous. Et en même temps. Vu qu'ils étaient tous devant, il y avait certains, enfin, expositions, peut-être que j'ai pas pu bien filmer, mais moi j'ai fait au mieux. Et voilà, donc franchement, si vous êtes dans les parages et tout,
N'hésitez pas, bah, du coup, l'année prochaine, à y aller à l'Immobrix 2023, parce que ça pourrait être intéressant qu'on s'y retrouve tous. Et on verra, faut que je me fasse un compte Facebook, mais juste pour aller dans leur groupe, pour parler, pour voir, pour pourquoi pas aller exposer l'année prochaine. Mais je pense pas que je prendrai énormément de choses, parce que j'ai pas envie de non plus tout démonter et tout. Donc voilà, on verra bien l'année prochaine. Et après, bah, j'espère du coup bah, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à faire un petit tour dans la description pour Twitter, Instagram, TikTok, lâcher un petit like et à vous abonner. Et du coup, bah, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, salut, salut!